Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien dans ce jeu pour Nintendo de Candy Crush. Aujourd'hui, et depuis quelques jours maintenant, je me suis fixé un objectif. Quel est cet objectif? C'est d'atteindre le rang Challenger pour être dans les top personnes. Alors, on va essayer d'atteindre en tout cas le rang Chal. On va voir si c'est possible même d'aller encore plus loin. En tout cas, on va déjà essayer d'atteindre le rang Chal. Ça veut dire que, bon, pour les showcase, c'est pas forcément le mieux. Mais, du coup, les showcase seront sûrement en non-stuff. Mais voilà, j'ai quand même envie de me dire quand même comment une fois je suis monté dans le top ladder de Grand Cross. Ça fait quand même plaisir. Et ça donne de la street cred, voilà, pour la street cred, la street cred. Alors je le monte avec une team qui est plus ou moins discutable, voilà. Mais, à un moment, il faut accepter la méta. Il faut prendre la méta, utiliser la méta. En vrai, si j'avais ma Merlin 6-6, ce serait plus facile. Mais bon, j'ai quand même une très solide team. J'ai Emilia 6-6, Elisabeth 5-6, je crois. Ou 4-6, non 5, je crois. Ram 4-6. Je joue évidemment contre le mec qui joue la même chose que moi. Je pense que lui, il joue CC par contre. 250 000 en tout cas. En vrai c'est possible parce que je crois que j'ai 248. Donc c'est possible qu'il joue. S'il joue Dodge comme moi, il a des très très bons gears. Parce que moi ils sont pas mal du tout. Et bah, il joue avant. Mais voilà, on va essayer. Je suis déjà champion 2. Donc on est très très haut. On est champion 2, c'est très très solide déjà. On joue contre des mecs très très solides. Mais voilà, on va tenter. Du coup ce que je vais faire là, c'est je vais juste faire ça. Et je vais shield. Je rush l'ulti de Emilia. Et shield. Enfin, geler la Elisabeth. J'ai le dossier sur ma Emilia, donc il peut pas non plus me geler. Il peut tuer ma Elisabeth. Il va sûrement le faire d'ailleurs. Il va tuer Elisabeth. Mon niveau 2 pour. En vrai, c'est pas mal. Il a gâché un niveau 2 pour ça. Bon, par contre, ça c'est non, monsieur. T'as la même chose, donc respecte-moi quand même. Mais du coup, je crois qu'il avait pas dodge. Donc j'ai des meilleurs gears que lui. Enfin, en tout cas, s'il joue CC, c'est qu'il joue pas du tout ça. Du coup, on va faire ça. J'ai redroppé deux cartes Emilia, on est très très bien. Et on va geler Merlin, parce que Merlin est le plus grande menace en vrai, en termes de dégâts. Ah, donc on a proc le revive. Ah, on va tuer Emilia là-dessus. C'est parfait. On va geler Merlin. Ok, il avait plein de cartes Merlin en plus. Donc c'est solide. Il peut pas me stun. Il a juste un shield de 1 normalement. Il doit avoir un shield de 1 et un sort normal. Je vais baisser un petit peu le son. Donc le shield va pas shield Merlin. Qu'est-ce qu'on fait? Je réfléchis. On va faire ça. On va choper l'ulti Elisabeth, je pense. On réduit un peu les PV de Merlin. Dans tous les cas, on peut prendre que 40% par tour, autant réduire un maximum ses PV. Si tu perds Elisabeth, on est bien. Ok, on avait fait de mettre un shield 2, hein. Ah, ça tue peut-être quand même, hein. Ouf. Ouais. Ouf. C'était close. On va ulti, parce que je pense pas que Merlin me one shot. Mais dans tous les cas, on va faire deux monocytes sur Merlin, donc normalement elle est morte. On heal d'abord, comme ça buff, enfin ça booste les PV de Merlin, de ma Merlin. Et sachant que ma Merlin elle fait plus de dégâts, plus elle a de... Plus là de PV. Voilà, donc là par exemple, la monocycle que j'ai fait avant avec Elisabeth, ça l'a permis de réduire suffisamment ses PV pour qu'elle passe en dessous des 40%. Parce que là même si elle s'est un peu heal, elle était toujours en dessous des 40% et j'ai pu la one shot. Voilà, donc solide. Je sais pas si c'est un vrai joueur en vrai parce qu'il joue un peu bizarrement, mais pas toujours notable contre cette équipe. Hop. Attends, on va faire ça. Putain, et ça.
Oyasumi. Comme ça on assure la victoire. Pas rush shoot ni rien, enfin. La victoire sans perdre trop de temps surtout. Mais du coup c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. Il est aussi champion 2, je sais pas comment je vais gagner de points. Il est aussi champion 2. Hop, hop, hop. Ah oui. Let's go. En vrai quand je. Enfin, je pense vraiment à ce qu'il faisait Eldris là en ce moment pour full go sur le festival. J'attends là actuellement de voir quel sera le festival qui va être annoncé. Parce que là, quand je tourne la vidéo, il n'est pas encore annoncé. Peut-être quand je la sors, il le sera. Mais du coup, je suis vraiment dans l'hésitation parce que. Zeldris. Le Zeldris en vrai me hype un peu, tu vois. Parce que c'est le pire festival actuellement, mais. Mais il y a pas mal de team fun à faire. Et bon, comme moi j'aime bien surtout faire des team fun, tu vois. En dehors du PvP pour le tryhard, tu vois, j'aime bien les team fun. Donc c'est vrai que ça aurait été amusant de faire ça. Pour autant. Le chandeleur, j'en ai rien à foutre. Genre, il est broken, mais personnellement, j'aime pas le perso, tu vois. Donc, il me hype pas plus. Et j'hésite du coup à mettre de côté. Ok, c'est peut-être un bot, ça par contre. Parce qu'il a pas beaucoup de CC. À mettre de côté pour pouvoir. Faire ça. Et. On va chill, je pense. On a deux gels, donc on va chill. Ouais, c'est certainement un bot. Elle a pas de gear, l'Elisabeth, je pense. Oui, elle a pas de gear, ça. Mais c'est pas grave, merci. Merci pour la free win. Merci pour la free win. Hein. La montée du ladder peut se faire avec quelques bots, hein, y a pas de soucis. D'ailleurs, j'ai pas regardé au film. J'ai regardé après cette vidéo. Enfin, après ce. J'ai regardé juste après si c'était un bot avant, je pense. Mais du coup, ouais, j'hésite du coup à pack pour mettre tout sur. Le prochain fest. C'est. Je me tâte, mais je pense que ça peut être une bonne idée. On va faire ça, je pense. Comme ça, il peut pas shield. Comme ça, je crit forcément. Je vous montre quand même comment jouer même contre des bots. Vous allez les face aussi, hein, donc à un moment. Il a pas crit, parfait. Hop. Hop. Et on va mettre un gel après. J'aurais dû mettre le gel sur Gozer, mais bon, je pense que de toute façon. Il est mort en fait. Ah voilà. Là, ce qui me semble. C'est à mon avis, il est mort en fait. Enfin, hein. Je voyais pas Escanor ne pas mourir en fait. De toute façon, j'avais déjà fait proc revive, donc dans tout cas, ouais, je voyais pas comment c'était possible. Oula. Heureusement que j'ai un gel. Parce que j'aurais pu perdre contre le bot. Bon, j'ai un gel et un stun, on est bien. Mais vraiment, Lost Vein, c'est le perso. T'es là tranquillement et à tout instant, le mec a gagné la game. Genre, juste parce qu'il a eu de la chance sur ses cartes. Genre, vraiment, c'est sympa quoi. On va faire ça. Hop, on va juste regarder ensemble le petit outil Emilia et on passe au match suivant après. Ça fait plaisir de regarder l'outil Emilia. Ça fait plaisir. Parfait, game suivante. Alors, 290 000. Eh ben, on joue pas au même jeu. Hein. Champion 4. Bordel. Ouais, c'est gagné. Ouais, c'est gagné. Mais c'est pour ça que je joue Dodge plutôt que jouer CC, parce que c'est à cause de ce genre de personnes. Justement, à cause de ce genre de personnes. Je vais faire ça. On va prier qu'il n'ait pas eu un autre shield. Je réfléchis. Est-ce que je gèle Escanor? En vrai, Je pense qu'il faut geler Escanor. Il me semblait bien que la gold c'était Escanor. Du coup, ça veut dire qu'il a une gold et potentiellement une autre gold là. Donc je pense qu'il aura pu one shot et re one shot. Et s'il le faisait, on est perdu. Voilà, on avait perdu. Alors que là,
normalement, l'avantage, c'est que du coup, même si elle shield Elisabeth, normalement, je pense qu'on tue Escanor. La shield ? Non, ça, ça marche pas. Et c'est un vrai joueur, mais Ludociel qui carry. Ludociel qui carry de fou. Hein. Du coup, elle a bien pas de shield, donc ça fait plaisir. On va faire ça. On va faire ça. On n'a pas de gel, hein, de toute façon. On va faire ça. On va faire ça, je pense. En vrai, on full go, je pense. Je pense qu'on full go. Je pense qu'on full go. Je tue quelqu'un avec la OA ou pas? Je pense. Et parfait, j'ai tué les deux. Oh, enfin, j'ai tué les trois même. J'ai tué les trois. Parfait. C'est bien fait. C'était parfait. Merlin, incroyable. Merlin, incroyable. Fait que je tue au moins Elisabeth. Gozor, j'étais pas sûr de le tuer. Mais Elisabeth, je pensais de le tuer. Emilia Spécis, hein, quand même, ça fait la diff. 290 000 CC. Hein. Non, le mec se fait atomiser. Hein. On a un gel, donc on est bien. On va faire ça pour l'instant. Comme allez. Tant qu'on shield, c'est pas grave ce soir. De toute façon, même Merlin, il peut pas lui faire plus de 40%. Donc. Je garde mon gel parce que faut que je le garde pour son ulti, son le gel de tous les cas. Tant que je peux juste le gérer avec ça. Son AO, elle fait pas l'effet charge du coup. On va faire ça du coup. On met ça. Et on le stun. On l'empêche de rusher l'ult. On le stun. On a win. C'est win. C'est gagné. La Lost Vein, c'est vrai que c'est. C'est toujours une menace. On va ulti, je pense, quand même. Un peu chope le truc. Hop. D'accord, on va ulti. Je sais pas pourquoi il quitte pas la game, hein, parce qu'il a loose. Hein. Que 290 000 joue. C'est pas un bot. C'est pas un bot, hein. Clairement, c'est un vrai joueur. Hein. Donc, je sais pas trop ce qu'il attend, hein, mais. T'as perdu, mon frère Ito. Hein. Je suis désolé, mais. Je suis navré. Attends, on a déjà montré l'ulti Emilia. On va montrer l'ulti Merlin cette fois. On change. Allez, let's go. Voilà, parfait. Et bah, du coup, bah, game suivante. Alors. Écoutez, pour l'instant, c'est des victoires. On y croit. 286 000. Et il a mis Elisabeth à gauche cette fois. Ça m'arrange. Parce que normalement, Elisabeth, ça revive le mec le plus à gauche. Donc ça la reviverait elle, normalement. Il me semble. Si je dis pas de conneries. Ok, il monte Gozer. Il fait un niveau 3 à bord. Là, tu quittes la game là-dessus, hein, normalement. Hein. On va rush l'ulti Elisabeth, je pense. Parce qu'il va avoir l'ulti Gozer. J'aurais pu lui enlever aussi, mais. Normalement, son ulti Gozer ne one-shot pas. Ah, j'aurais dû regarder sa spé en vrai d'abord. J'avoue que s'il avait Gozer vers spé 6, c'est du troll. Un petit peu one shot, je pense. Il va taper et stun, du coup, j'imagine. Et il va stun Elisabeth, du coup. Et il a re-eu un rank up. Attends, mais il a trop de chance, par contre. Il a trop de chance d'avoir re-eu un rank up. Du coup, on va faire 100. Ah, attends. Est-ce qu'on ferait pas 100 plutôt? Non, c'est mieux.
Ça sert à rien. Et on gèle Goza. D'abord ça. Parfait. Broken. Broken, Merlin. Broken. Il faut le dire, broken. Parce que là, ça l'empêche de choper l'ulti Elisabeth. Parce qu'en tous les cas, ça sert à rien de mettre l'anti-heal. Parce que l'anti-heal est fort contre The One. Et là, il a l'immunité. Aucun intérêt. Donc je mets le truc pour l'empêcher de rush ult. Comme s'il peut pas choper l'ulti Elisabeth. De toute façon, je pense qu'il va taper. Mais... ok, parfait. Ah, quoique. Il a 3 sorts ou pas? Enfin, il a 3 sorts peut-être. Ah enfin, ouais, normalement. Enfin, il a de la chance! Il en a déjà fait un au début, il a de la chance. Ça va être chaud, ça va être chaud, 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 chaud. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça. Faire ça. Et ça, je pense. Je pense qu'avec ça, on devrait tuer Elisabeth. Parce que Escador, on peut pas le tuer. Voilà, on tue Elisabeth, parfait. En plus, ouais, il avait des grosses cartes, mais ça me semblait. Je veux pas qu'il shield ni rien. On regèle Gozor vert. De toute façon, il va heal de fou Escador. Voilà. Normalement, il a quand même utilisé ses grosses cartes. Il a eu de la chance. Il a Zeldris en sub, il a Palos Vein. Oh, c'est chiant. Oh, il a chaté, il a eu la carte. Oh, je merge. Oh, j'ai chaté aussi. Ok. Ok, j'avoue que j'ai chaté aussi. Non, par contre. Ok, parfait. On a chaté tous les deux. On a chaté tous les deux, mais. C'est moi qui gagne la game. Et on va geler Escanor. Ouais. Je pense qu'on wipe l'équipe. Je pense qu'on a win là-dessus. Mais ça me semble. Ouf, c'était chaud. Oh, c'était chaud celui-là. Oh, lui, il avait eu de la chance sur les cartes au début. Hein. Heureusement qu'on a eu la chance là à la fin sur le. Sur le merge là des deux gels là. Ça nous a rendu l'ulti Emilia parce que. Pff, c'était chaud. Parce qu'en vrai, s'il avait juste tapé avec Escanor plutôt que faire ça, il m'aurait tué. Il m'aurait tué Emilia. Et je pense qu'on avait perdu. Là, on avait perdu, je pense. Ok. On a un team que moi, mais il a moins de CC. On va lui dire coucou. On va voir. Peut-être qu'il va répondre. Je sais pas si c'est un bot ou pas, ça lag un tout petit peu, mais je sais pas si. On va faire ça. On va tester le dodge quand même au cas où. Ok, vous voyez, pas de dodge. C'est peut-être un bot du coup. On va mettre ça. Bon, c'est peut-être un bot, je sais pas. Allez, je sais pas. Allez, I don't know. Fallait que je mette l'anti-truc pour rusher lui de toute façon. Il va faire qu'il va me geler et mettre dans la voie. Ah, il va geler qui? C'est un move normal. C'est peut-être pas un bot. C'est un move normal, donc ce n'est peut-être pas un bot. Ça l'a cassé. Je m'y attendais pas. J'ai re-eu notre sœur Emilia, ça c'est bien ça. Je reçois ulti Emilia. Évidemment. J'aurais pu geler du coup. Ça aurait été bien. Ah, elle a pas crit. On va shield. On va stun Elisabeth. J'aurais dû stun Emilia plutôt. Pas très malin d'avoir stun Elisabeth. J'aurais dû stun Emilia. Ça aurait été plus malin. Oh. En vrai, ouais, je sais pas. Ah, je sais pas si c'est plus malin parce que.
Emilia, elle peut me geler, donc ça c'est chiant. Je crois que j'ai plus eu de ciel. Hein. Yes, let's go. Ça c'est le marteau, là, les 5 marteaux que j'ai mis dans Elisabeth, ça, let's go. Ça a augmenté son shield. Je crois qu'il a toujours son revive. Ouais. On va le faire proc. On va stun Merlin plutôt que shield. Ouais. On fait proc le revive. Il a 3 cartes Elisabeth normalement, donc il peut stun au moins une personne. Là il va en stun 2 peut-être. Ah non. J'ai toujours mon revive je crois. Et s'il me tue là du coup, ça me stun pas. Ah bon, bah j'ai pas chaté. J'ai pas chaté hein. On va faire ça, puis on va faire ça. Et on va geler. Si jamais il survit. Fait d'abord l'ultime Merlin parce que l'ultime Merlin elle fait quand même des dégâts même si elle crit pas. Alors que l'ultime Elisabeth elle fait l'ultime Ilia, pardon, je dis l'inverse. Elle fait vraiment zéro l'ultime Ilia si jamais. Jamais ça fait pas l'effet. Ah, parfait. Parfait. Du coup, bah, je sais pas si c'est un joueur ou pas, parce qu'il joue pas mal en fait, donc ça me semble bizarre que ce soit un bot, tu vois. Parfait. Ça fait proc mon revive, bien joué à toi. Bien joué à toi, tu as fait proc le revive. Bon, forcément. Doshite. Oyasumi. Tsukomareyo. De toute façon, j'ai pas besoin de shield. Je joue contre. J'ai pas besoin de shield. On récupère un max de cartes. Pour drop. On veut drop des cartes. Oh, mais c'est win de toute façon. Celui dernier match. Celui d'avant était si dur. Si dur. Si close. Si close. Attends. Parfait. Acto. Bam. Emilia un peu broken quand même, on va pas se mentir. Pas se mentir, Emilia. Un peu broken quand même. Et du coup, on est quasiment champion. Hein, on a fait que des wins. On a fait que des wins. C'était des sacrés matchs. Hein. C'était des sacrés matchs vraiment chauds. Je venais de passer champion 2 au moment où j'ai lancé le record. Juste avant, j'avais fait quelques games. J'étais passé champion 2. J'ai acheté des tickets avec les points d'amitié pour refaire quelques games. Et on est maintenant à 3888. Donc quasiment champion 1 en vrai. Très très close. L'objectif challenger qui se rapproche. Qui se rapproche. On est sur 24 victoires pour 4 défaites. C'est très solide. Très solide. Il reste 4 jours là avant la fin de la semaine. On va essayer d'ici la fin de la semaine de passer Tchal. Je pense que c'est jouable. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Ça me fait super plaisir. C'est un peu moins fun, on va dire, que les PVP plus classiques où je joue des persos random. Parce que justement, là, je joue pas des persos random. C'est le tryhard. Et c'est aussi un truc que j'aime bien faire, tryhard. Donc, c'est l'occasion là pour une fois que j'ai quand même bien investi dans une team. Je vais quand même essayer pour une fois d'aller dans le plus haut elo. Et sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine.